Ah là là là. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDU de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons sur l'épisode 4 sur Alpha Centauri. Je sais pas comment j'appellerais cette série, tiens. Gouverneur MDJ, ça me plaît bien ça, tiens. Ok, ou MDJ Gouverneur, je sais pas comment on va appeler ça. On va bien voir. De toute façon, vous verrez bien ça dès le premier épisode, hein. Alors, voyons un petit peu. Oui, donc fin de tour et on a la Caps Colony. Oui, évidemment, oui. J'envoie un. Alors, ok, alors là, il m'a chié dans les bottes, frère. Là. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il le ferait. Alors, il a envoyé en fait un. Donc, une équipe de reconnaissance dans un. Dans une de mes bases. Donc là, je peux envoyer un avertissement. Un agissement, je sais pas en quoi ça consiste. Et. Ou alors, je peux mettre fin au pacte de fraternité et rentrer en guerre contre lui. Attendez, excusez-moi une minute. Ouais, excusez-moi. Voilà, donc, ok, donc, je vais juste envoyer un avertissement. Ça n'a pas intérêt à se reproduire. Production terminée. Mais, sachez que faire là, le résultat, je vais aussi l'avoir dans le nez. Ok, on va aller là-bas. Ouais, bien sûr. Ouais. La forêt se développe, ok. Bah toi... Et quoi qu'en plus, frère, là, je veux dire... Voilà quoi, il a trois bases, le malheureux. Ouais, je pense qu'on va... On va envisager... de l'écraser. Alors, apparemment, ça n'était pas que je sois devenu gouverneur de la planète, alors c'est rien ce que ça dire. Mais quoi qu'il en soit, on n'est plus pacte fraternel. Ouais, alors, on va voir un petit peu sur quoi travaillent nos... Alors, on a les lasers, on a les... Ouais, quoi que, de toute façon. Ouais, bon, allez, on va tout accepter de toute façon. Production terminée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors... il en est où là? Donc on est de retourner en traité. On n'est pas encore en guerre, mais disons que que c'est mal engagé entre nos deux factions. Confirmation demandée. De toute façon, vous avez vu, il a trois bases. Moi, je suis assez bien équipé. Je vais peut-être envisager de lui mettre une tatane, pas possible quoi. Bah de simplement de le démolir. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Production terminée, abonnée. Ok, attendez, hop. Excusez-moi, j'ai été interrompu, donc j'ai dû couper l'enregistrement une seconde. On en est où là? Ouais. Ce tour est terminé. Production terminée. Ok, donc par là, je pense qu'on va commencer à... Oula, attendez, ok, Production ça c'est pas bon terminée, signe. abonnée. Qu'est-ce qui s'est... Confirmation demandée. Ok, on commence vraiment à augmenter assez vite en énergie. Enfin, en énergie, donc on va pouvoir... Aujourd'hui, quelques ouvriers civils se sont mêlés aux patients de la recherche et sont devenus si irritables que j'ai été obligé de leur faire subir la ligature neurale. La conséquence, bien sûr, en est un autre cauchemar de relations publiques. Mais j'ai été très ébranlé par l'étendue de leur répugnance envers un projet tellement vital pour notre survie. Chef de l'exécutif, Noabudike Morgan, journaux personnels. Ok, bon, donc ça c'était
Ouais, c'est une nouvelle arme. D'accord, ok. Le dôme de pression actuellement, ok. Production terminée. Lui, c'est pareil. Lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Donc, le complexe d'habilitation, tu vas le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, tu vas te lancer les autres infrastructures tout de suite après. Alors, normalement, cette base-là devrait pas être dérangée. Étant donné qu'elle est en plein milieu de forêt et que les fongiques doivent creuser la forêt bien avant d'arriver à la base. Contrôle A. Non, c'est pas contrôle A, c'est majuscule A pour Population automatiser. maximale éteinte. Alors, attendez, je voulais essayer de revenir sur la base principale. La base universitaire, voilà. Ouais, c'est ça, ok. Et je voulais revenir sur cette base-là. Là, on va accélérer au Énergie maximum insuffisante. comment on va développer cette base-là. Parce qu'après, ça va être la La base structure de. de base de l'univers régresse infiniment vers des composants de plus en plus petits. Derrière les atomes, nous trouvons les électrons, et derrière les électrons, les quarks. Chaque couche mise à jour révèle de nouveaux secrets, mais aussi de nouveaux mystères. Académicien Prokhor Zakharov, car j'ai goûté le fruit. Ok, théorie subatomique avancée. Ça nous débloque quoi ça? Les usines secrètes en installation. On va pouvoir développer les technologies relativité appliquée et alliage d'acier soie. Ok. Et on a les brouilleurs de communication. Ok. Ce tour est On va terminé. faire confiance aux nos ingénieurs. On va pas surveiller leur travail. Ah, génial. On a trouvé la ruche, donc ça c'est bon. Alors oui, je disais cette base-là, on va s'en servir pour comme point là d'attaque quand on décidera à écraser là. On projette, hein, vous en faites pas. Le truc à surtout pas faire, c'est si on a une émeute, c'est d'utiliser cette fonction-là qui va donc simplement pas punir les droïdes, mais c'est une atrocité, c'est une ligaturation des neurones, enfin voilà quoi, c'est un truc assez violent. Alors, ouais, faire un tour. Le comportement humain, les la base arc-en-ciel, la bourse de commerce. Et zut! Sœur Myriam a développé la bourse de commerce avant nous. Et elle commence le transit planétaire dans la foulée. Non? On est à la bourre. Ah, je serais bien tenté. Tu payes. Ça y plaît pas. Bon. Production maximale éteinte. J'adore parce que comment ils sont en guerre, mais je vois pas de bateau passer. Ils sont en guerre, mais ils la font pas quoi. Vous allez voir que quand moi je vais rentrer en guerre, ça va être une autre Énergie partie. Hein. insuffisante. Ce tour est terminé. Production terminée. Ok. On va construire la base. Non, pas les sentinelles, parce que c'est pas. Y a mieux que ça. On a mieux que ça. On a les lasers infanterie qui sont pas mal. Apparemment, c'est la technologie qu'on a le plus. Enfin, qu'on a le mieux, quoi. Sauf que c'est pas ce qu'on vient faire, on vient coloniser. Donc on va. Hop. Est-ce qu'on peut Énergie l'accélérer? insuffisante. On peut pas l'accélérer. Ok. Ce tour est terminé. Vous, les intellectuels, dans votre tour d'ivoire, vous ne devez pas perdre contact avec le monde de la croissance industrielle et des devises fortes. Il est très louable et très bon de poursuivre ces théories scientifiques élevées.
Mais les bourses de recherche sont chères, et vous devez justifier votre existence en fournissant non seulement de la connaissance, mais également des applications concrètes et profitables. Chef de l'exécutif, Noah Boudicke Morgan, l'éthique de l'envie. Voilà, donc technologie appliquée, donc qui nous ramène sur les champs unifiés, la théorie des champs unifiés et la mécanique proto-onde. Ok. Et on va pouvoir avoir le super colonisateur. Ah, ça je veux ça, ça je veux. Si je pouvais vous montrer ça, cette cinématique là qui est super bien faite. Recherche, ouais. Confirmation demandée. Dans les ordres, tu vas ajouter le transit planétaire et le super colonisateur. Collisionneur. Le super collisionneur. J'ai du mal avec ça. Ok. Production terminée. Ok. En contemplant la beauté tranquille et la brillance de la surface de l'océan, on oublie le cœur de tigre qui palpite au-dessous. Il n'est pas aisé de se souvenir que cette patte de velours cache des griffes impitoyables. Herman Melville, Moby Dick, liaison de données. Ah oui, il propose de commencer le supracolonisateur. C'est sûr que le circonnaisateur. Oh, il me manque 43 tours. Non, après, on va rajouter le complexe d'habitation. C'est tout. Et après, on va commencer à développer de l'armée ici. Ce tour est terminé. Ce tour est terminé. Population maximale atteinte. Le principal objectif de leur constitution et de leur gouvernement est que, chaque fois que les besoins publics le permettent, tous les citoyens soient libres, autant que possible, de soustraire leur temps et leur énergie du service de corps et de se consacrer à la liberté et à la culture de l'esprit. Car, selon eux, c'est là le vrai bonheur de la vie. Sir Thomas More, Utopia, liaison de données. Ok, je connais pas du tout Thomas More. Ok, ouf, bah, non, ici ça se développe. Hein. Ça se développe, ça se développe. Donc, mine de rien, vous voyez la forêt, hein, c'est assez sympa à exploiter. On va certainement comment ici refaire une base. D'ailleurs, cette base là, je suis sûr que. Ouais, pareil. C'est pas important. Le dôme de pression ici, on va l'accélérer. Confirmation demandée. Et après, on va pouvoir attaquer 3... 6, 3 L'infaillible capacité de l'homme à croire la vérité qu'il préfère, plutôt que ce que démontre l'évidence, m'a toujours abasourdi. Nous désirons un univers aimant qui nous sauverait de nos fautes enfantines, et malgré des preuves accablantes du contraire, nous accrochons tous nos espoirs au plus mince des doutes. On n'a pas prouvé que Dieu n'existait pas. Donc, il doit exister. Académicien Prokhor Zakharov, car j'ai goûté le fruit. Ok, là encore une fois, j'ai relancé l'enregistrement en plein milieu, j'espère que ça n'a pas merdé. Donc, deuxième partie. C'est terminé. Et donc, je voulais donc le système de transit planétaire. Énergie insuffisante. 2000, putain, vache. Bon, 25 tours. Ouais, mais attends, il manque un truc là. Ouais, bon, la force de défense des énergies. Des citoyens, ok. Ouais, la banque d'énergie. Est-ce que ça on peut le. Ouais, on peut. Énergie insuffisante. C'est ici aussi qu'on va accélérer quand même le mouvement. Confirmation demandée. Pour qu'on puisse plus rapidement faire de l'armée ici.
La faction. Ah merde. Maximale atteinte. Eh, les autres ils commencent à prendre du poil de la bête là, n'empêche mine de rien. Faction dominante. Ok, c'est les gars, les Gaïens qui commencent à être un petit peu dangereux. Projet déclenché. Le président Morgan a la fin de production. Ah, ouais, de l'avance, lui. De force H, oui, H. Ok, on va. On va essayer de créer. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Ah, tu te fous de moi. Oh merde. Il y a qu'une case à passer, il peut pas. J'y crois pas. Bah ouais, tu vas faire ça. On est d'accord. En attendant, ben ouais, pour projet déclenché. Ce tour est terminé. Ok. Population maximale atteinte. Et galère. Bon, on a une émeute de droïdes. Bah ouais, il peut pas les gérer. Là. Ah bah oui, j'ai pas fait les aires de jeu. En plus, ça va être ralenti en plus. Bah on va faire tout ça alors. Permis de défense, banque d'énergie. Banque de pression. Ok. La vie n'est qu'une pourriture ordonnée des états d'énergie, et la survie nécessite la découverte continue d'une nouvelle énergie à insuffler dans le système. Celui qui contrôle les sources d'énergie contrôle les moyens de survie. Chef de l'exécutif, Noah Boudiqué Morgan, le monopole Centauri. Elle te compte des délices qui ne valent pas la loi du Seigneur, ton Dieu. Saint Augustin, confession, liaison de données. Ok, donc là on découvre pas mal de technologies apparemment. Ok, le complexe d'habitation. On est où là? Nouvelle arme à... Ouais. Énergie insuffisante. Ok, en 10 tours. Population maximale atteinte. On est en 2257. Et j'aimerais bien qu'on évolue un peu plus vite. Confirmation demandée. Ouais, passe-le-moi. Non, c'est pas dans les projets. Va te gratter. Ok, production donc, terminée. Ok, donc une vendetta contre contre la ruche. Eh ben écoutez, on va production terminée. Confirmation demandée. On va essayer de mettre une commande. Une base sur le coup. Énergie insuffisante. Bah celle-là. On va essayer de mettre. Bah, ou alors celle-là. Bah non, on a celle-là qui peut. Je sais même pas combien elles peuvent les aéroglisseurs. Deux unités. Ah ouais, on est loin du. On est loin d'y arriver. Bon, tant pis, on va continuer sur les infrastructures ici en attendant. Production maximale atteinte. Ce tour est terminé. Production terminée. Ok. Population maximale atteinte. Là, tu vas l'activer. Tu vas rentrer là-dedans, voilà. Et ça, tu vas le déposer. Commande erronée. Je
pense, et mes pensées pénètrent les synapses. Désolé, je l'ai passé, le... Débarqué Cap Colony. Okay. Ouais, toi tu vas rester ici. Production terminée. Et toi tu vas aller là-bas. Tu vas rester un petit peu ici. Population maximale éteinte. Production terminée. Ce tour est terminé. Population maximale atteinte. Allez, hop, on crée une base. Non, tu vas changer le placement sentinelle. Tu vas mettre une laser infanterie et on va accélérer ça. Énergie insuffisante. Pourquoi soutenez-vous que le code génétique humain est sacré ou tabou? C'est un processus chimique et rien de plus. En la matière, nous sommes des processus chimiques et rien de plus. Si vous vous refusez un outil utile simplement parce qu'il vous rappelle désagréablement votre mortalité, vous vous détériorez vous-même en vain et inutilement. Président Chen Yiyang, en regardant Dieu dans les yeux. La bio-ingénierie. Voilà, donc c'est vrai que les propos, bon, si vous les avez compris, ils peuvent être parfois un petit peu choquants. Mais voilà, ce sont des idéologies, celles qui est toujours, hein, on peut débattre hein, là-dessus. Hein, c'est vrai que le, est-ce que les transformations génétiques, est-ce que, voilà, bon, est-ce qu'on doit considérer ça comme une évolution ou comme contre nature, c'est toujours un débat. Donc, le vaccin de longévité, le génie, donc en technologie, on a la technologie rétrovirale et on a le réacteur autonome pour les améliorations d'unité. Ok. Ouh, attends, parce que ça m'intéresse. Ça veut dire que toi, t'as fini. Ok, t'as fini ce que t'avais à faire. C'est nickel. On va pouvoir enfin faire un petit peu d'armée. Alors, à part les lasers infanterie, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les... Ah ouais, mais ils sont pas forts en défense. Non, franchement, on va faire ça. Oui, voilà. Et on va en faire plein. Et je pense qu'on va péter la gueule à Frère Lal, comme ça, on va être tranquille. Population maximale atteinte. Oui. Que puis-je faire pour toi? Échange d'informations, je veux bien. La prédominance des environnements anoxiques riches en matériaux organiques, associée à la présence de composés nitrés, a conduit à une surprenante variété d'organismes souterrains qui vivent en l'absence d'oxygène et respirent les nitrates. De même, l'air a forcé les plantes à en être économes. Ainsi, tous nos efforts pour renvoyer du carbone dans la biosphère encouragent la vie indigène à proliférer. A l'inverse, les énormes quantités de nitrates du sol seront idéales pour les fermiers humains. Lady Delresky, les premières années. Ok, désolé si au bout d'un moment il y a une coupure dans la phrase, j'ai pas fait attention au chrono encore une fois. Encore un échange de technologie. Nous sommes assis ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que seul reste la montagne, l'hippo de la collection Yang. Ah dis donc, elle est généreuse aujourd'hui. Enfin. L'île des profondeurs n'est pas en réalité une créature unique, mais une colonie de milliers de tubulures individuelles, un vecteur aquatique du ver télépathe qui terrorise les continents de la planète. Pendant leur vie, certaines tubulures sécrètent une substance tenace et collante qui durcit pour former la coquille caractéristique qui fait flotter la colonie et crée l'apparence d'une île infernale. Lady Deadresky, biologie comparative de la planète. Ah génial, on va pouvoir avoir les... Ah génial, on a les îles des profondeurs. Alors ça, si on utilise ça, ça va être violent.
Mais pourquoi ils disent qu'on utilise des méthodes immorales? On n'a rien fait de mal. Ils sont tous en train de me bousiller mes packs fraternels là, je sais pas pourquoi. Savez-vous qu'ils disent en haut? Des drames dans les eaux. Elles se connectent jour et nuit. Écoutez-la comme elle crie. Marche des baraquements spartiates. Je comprends pas pourquoi ils disent qu'on a fait des actions immorales alors que je n'ai jamais lobotomifié de droïdes, j'ai pas développé d'armes nucléaires. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce tour est terminé. À part prendre la possession de la planète, j'ai rien fait. Enfin, simplement du conseil planétaire. Ici, il y a une révolte, mais... Moi, je suis pas magicien, hein. Je pourrais, hein, appuyer là, et puis les droïdes, merci, au revoir, hein. Énergie insuffisante. Ouais, bah, je sais pas pourquoi, en plus, si j'ai plus les... Ah, d'accord, quand je clique dessus, il considère qu'il est plus actif, le... Ok, bon... Énergie insuffisante. Ok, oui. Oui à tout. Les combustibles fossiles du siècle dernier ont atteint leur prix extrême à cause de leur utilité inhérente. Ils offraient une grande quantité d'énergie potentielle dans un emballage extrêmement efficace. Si nous pouvions seulement éviter le processus de production de 100 millions d'années, nous pourrions accaparer ce marché une fois de plus. Chef de l'exécutif, Nwabudike Morgan, session de stratégie. Ok, donc les combustibles fossiles synthétiques. Ok. Non, on a fini. Projet ennemi déclenché. Il y a un gouverneur planétaire. Ah là. Ouais. Donc toujours Diadre ou moi, bon. Non, je vais essayer. Super collisionneur. Ouais, voilà, j'arrive à le dire. Projet déclenché. Alors, la découverte de la faction. Recherche sur cette base sont doublées. La découverte de la faction. Ouais, ok. Ce tour est terminé. Alors par contre, j'ai découvert apparemment des unités beaucoup plus puissantes. Donc, c'est quoi? C'est ici, je crois, les missiles squad. Ouais, c'est ça. Bah, c'est les missiles squad de toute façon. Ouais, c'est ça. Qui sont beaucoup plus puissantes. Et je vais aussi ouais, les heures de jeu ici. Okay. Confirmation demandée. Donc ici, je fais infrastructure, mais une fois qu'on aura les transporteurs beaucoup plus gros, on va pouvoir aller casser la tronche à la ruche. Mais tout seul, ça va être chaud. Mais bon, il est isolé sur une île, je pense que ça devrait le faire. Sœur Myriam, on va... Je sais pas. Non, lui il refuse de me parler. Oui, j'ai dit, Diadre, on va essayer d'améliorer nos... D'accord, elle paye.
On va essayer d'avoir son pack de fraternité parce que c'est une des plus puissantes sur la planète actuellement. J'ai vraiment pas envie. Non. Elle voit pas l'intérêt d'un pack en plus. Ok. Et si je viens coller une base juste à côté de tes frontières, t'en vois pas l'intérêt ou... Je sais pas, je dis ça. Bon. Une courageuse petite théorie, réellement tout à fait cohérente pour un système de 5 ou 7 dimensions. Si seulement nous vivions dans ce type de système. Académicien Prokhor Zakharov, maintenant nous sommes seuls. À dimension, à 5 ou 7 dimensions. Enfin, remarque, hein, actuellement, on arrive à imaginer des systèmes à 4 dimensions, et encore. Donc, l'axe des X, des Y, des Z, donc la longueur, la largeur, la profondeur. La quatrième dimension étant le temps, pour voilà, pour ceux qui envisagent la quatrième dimension comme étant le temps. Mais alors 5 ou 7 dimensions, allez savoir ce que c'est. Bon. Population maximale atteinte. Voilà, dans Doctor Who, il est dit que la cinquième dimension, c'est l'espace. Mais bon. Alors, ouais, c'est un petit private joke que je fais là. J'avais une base là. Ce tour est terminé. Je me souviens pas, j'avais une base là. Oh putain, elle a été démolie par des fongies que j'ai pas vu. Bon, bah ça fait rien. Ça... Ouais, passez-la moi. Je vais vous prévenir, ok. Avec des plasmas garnison, qu'est-ce que tu crois faire avec ça? Non, si tu payes. Ok, ben tu payes, ben, tu vois. J'hésite à faire le pack de fraternité avec elle. On tire ça pile ou face? On tire ça pile ou face. Attendez, hop, je coupe le... Hop, hop. Ok, c'est lui, allez. On va faire le... On va faire ça. Passer un pack de fraternité... en échange de mon amitié, allez, sans rien. Ok, tu veux pas, ok, merci. Oh la vache. Forme de vie partielle. Il y a une comment il y a une comment une base qui a été détruite des ici par les ruches, mais je vois pas la base. Excusez-moi, j'éloigne un petit peu mon les ruches pourtant elles sont pas très très poussées hein, mais bon. Maximale atteinte. Ok. Donc là, on va commencer à pouvoir un petit peu se marrer avec l'AL. Franchement, là, je pense qu'on peut faire ça en quelques tours. Production terminée. Terminée. Projet ennemi déclenché. Ce tour est terminé. Production terminée. L'homme a tué l'homme dès le commencement des temps. Et chaque nouvelle frontière a apporté de nouvelles manières et de nouveaux lieux pour mourir. Pourquoi l'avenir devrait-il être différent? Colonel Corazon Santiago, planète guide du survivant. Ok, excusez-moi, mais en fait, ça fait une demi-heure. J'ai relancé l'enregistrement comme ça, mais
Mais ça fait 30 minutes qu'on joue là. Attendez. Oui. Oui, bien sûr, oui. Ok. Là, je suis où là? Je suis là, ouais. On va. Oui, je sais. De toute façon, on va aller là-bas et on va. Et on va se former une armée là-bas, prêt à aller défoncer Lal. Voilà, fin du tour. Écoutez, attendez, je vérifie juste une minute. Bah oui, donc écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et sur laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera pour l'épisode suivant. Et je vous dis à bientôt.